Non, mais c'est inquiétant, surtout quand tu attribues la crédibilité parce qu'un influenceur a beaucoup d'abonnés. Ça, c'est vraiment, vraiment troublant. Là. C'est comme, lisez des livres, lisez des journaux, lisez des vraies sources d'informations, mais tu le dis, mais on passe pour des vieux croutons. Oui, mais on n'en est pas, puis c'est pas parce que t'es jeune que t'es obligé de manquer de jugement, puis c'est pas tous les jeunes encore là, mais il y a une éducation à se faire. Il y a une éducation à se faire qui se fait pas chez suffisamment de jeunes. Il faut quand même faire le constat. C'est quoi, Karine? Tu dis ça, là, puis vraiment, il est temps que... Là, c'est Drainville là, qui est à l'éducation. Il est temps qu'on donne un cours comment décoder les réseaux sociaux dans les écoles. Laissez faire la crise de religion, puis occupez-vous de permettre aux jeunes de savoir ce qu'on dit, puis comment comprendre ce qui se dit, puis les conneries sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Cube Radio.